Vous êtes sur Football Club de Marseille. L'OM vient de se prendre une raclée 3-0 face à Montpellier. Quels sont les trois enseignements à retenir de ce match? On est désastreux contre le top 5, c'est clair, net, il faut arrêter de se chercher des excuses. On a joué 4 matchs contre Paris, Lille, Lyon et Montpellier. Donc ce soir, on a perdu les 4, tout simplement. On a encaissé 12 buts et on n'en a marqué que 2. Donc il faut arrêter de parler d'histoire, de détails, de s'il y avait ça, s'il y avait ça, s'il y avait ça. Lorsqu'on encaisse 12 buts en 4 matchs et qu'on n'en marque que 2, c'est qu'il y a un problème de niveau. En tout cas, ça pose le niveau de votre équipe, ça pose le niveau donc d'une équipe de ventre mou. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait ce qu'on visait à la base. Puisqu'on a un budget qui, ce soir, était 4 fois supérieur ou presque à celui de notre adversaire. Je joue un petit peu sur les mots puisque c'était la sortie de Jacques-Henri Hérault qui avait dit que contre le PSG, bon, c'était déjà pas mal d'avoir fait 0-0 à la mi-temps contre une équipe au budget presque 4 fois supérieur. Très bien. Ce soir, c'était nous qui avions ce budget 4 fois supérieur. Montpellier est aussi arrivé à la mi-temps à 0-0, sauf qu'à la fin, eh ben, on a perdu 3-0. Donc voilà, le budget, alors on va être clair, alors je base ces estimations sur celles de l'équipe. Alors l'équipe a parlé d'un budget de 41,5 millions pour Montpellier et l'OM environ 150 millions. Donc vous voyez bien que c'est pas tout à fait 4 fois, puisque 4 fois 4 ça fait 16 et que là on n'est pas à 16, on n'est pas à 160 millions, mais bon, on n'est pas loin, c'est presque. Donc voilà, bref, dans tous les cas, on ne peut pas se cacher derrière l'excuse de budget ni de l'arbitrage ce soir. Enfin, on va quand même terminer par saluer cette merveille de première période où on a assisté au pire de la Ligue 1, le football comme on le hait, avec 22 acteurs d'abord tétanisés par la peur de faire une erreur plutôt que par l'envie de provoquer celle de l'adversaire. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, Montpellier à la limite, ils ont 4 fois moins de budget que nous, c'est peut-être logique qu'ils jouent comme ça, et puis surtout, ils ont haussé le niveau en seconde période, donc voilà, eux, ils n'ont rien à se reprocher. Par contre, nous, d'avoir joué comme ça et de partir avec ce résultat, on n'a aucune excuse et en plus on a fait passer un bon moment de merde à tous nos supporters.